Chantal Roberge, donc ça va être sûrement la dernière vidéo. Je vais parler de ce qu'on appelle rassurer quelqu'un qui a été mal informé, parce qu'il faut tout le temps faire attention aux mots, OK? Donc, rassurer la personne qui a été mal informée, c'est très, très important parce que du coup, on peut éliminer ce qu'on appelle un raptor qui peut être ou elle. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier le féminin, mais rassurer une raptor, OK? Une raptor qui a été mal informée ou qu'on a fait exprès comme j'avais donné dans l'exemple, on a fait exprès pour l'utiliser pour casser la tasse 0.0 qui s'appelle Chantal. Bon, dans l'exemple, OK, Chantal, elle s'appelle, admettons, 0.0. Puis là, il y a du monde qui essaye de casser la tasse 0.0. C'est niaisé comme comparaison. Donc, puis là, on peut allumer beaucoup, 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 beaucoup de monde autour, puis dire, faire exprès pour dire, faire la job par quelqu'un d'autre, OK? Donc, ça peut être, ça, c'est très grave, hein? Ça a un impact qui peut être extrêmement grave. On dit brouiller la communication, empêcher une communication téléphonique, empêcher une communication par email, empêcher une communication par lettre, empêcher. Ça s'appelle empêcher, OK? Ou changer, prendre la lettre dans la boîte aux lettres. La carte de Noël de grand-maman qu'elle m'a envoyée a été changée pour une autre. C'est ça que tu es en train de me dire? OK? Ça veut dire changer. C'est pas interrompre. Interrompre ou bloquer. Changer, c'est pas la même chose. OK? J'ai pas besoin de faire une autre comparaison. Ou là, on parle de lettres, mais ça se fait aussi au téléphone. Okay? Il dit que c'est le parapluie qui parle, puis c'est pas le parapluie, c'est le parasol, puis il change les mots. Okay? Donc, c'est là qu'il faut dire, il faut faire très attention dans la vie, tout le temps aller vérifier, en face à face, aller vérifier en face à face, puis encore là, il existe des petites affaires. Dans le monde de la criminalité, quand aussitôt que, parce que je donne des conseils aux avocats, aux avocates, OK, puis je donne des conseils aussi à des étudiants qui sont dans le domaine de l'artistique, dans le domaine du mannequin, dans le domaine du sportif. Donc, c'est des conseils. Prends ce qui est bien, puis sinon, ben, pour le reste, prends-les pas. C'est quand qu'on donne des conseils, là, je donne des conseils, OK? Des choses qu'il faut aller tout le temps vérifier. Puis, bien entendu, on dit nourrir la personne qui est déjà blessée. nourrir, pas d'alimentation, mais plutôt dire une personne qui est déjà blessée d'avance, OK? Dans la zone de la confiance, quelqu'un qui a de la difficulté à faire confiance aux autres, avec raison, parce qu'il a été, on lui a conté des menteries, on l'a trahi, on l'a volé, on l'a frappé, on l'a violé. Donc, la personne peut avoir de la misère à faire confiance à quelqu'un. Là, c'est de plus. Quelqu'un arrive puis compte des menteries, ben là, c'est ça qu'à un moment donné, ça devient très difficile de, comme tout, on dit, de tout comprendre qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai. Bon, ça, comment est-ce que je peux démêler tout ça? OK? Qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est pas vrai? Donc, ça, c'est la personne là, qui est, comme on dit, la victime de tout ça. Pour ce qui est de celui qui est pas gentil, qui a pris la lettre de grand-maman, puis qui l'a changé pour une autre, puis qui a pris la lettre de Chantal, puis qui l'a changé pour une autre, ou qui a pris le téléphone, puis qui dit que c'est Chantal qui parle, puis c'est pas Chantal. Chantal n'a pas appelé personne. Expressément, je n'ai pas de téléphone depuis 5 ans, OK? Juste pour éliminer tout doute, je n'ai aucune ligne téléphonique depuis 5 ans. Donc, si quelqu'un qui se fait passer pour moi, ce n'est pas moi. OK? J'ai pas de téléphone. J'ai eu un téléphone 2 mois de temps que j'ai finalement annulé à cause que je suis pas allée à l'université avec le COVID. Ça donne rien d'avoir un téléphone. Mais ça, avec la vidéo, puis avec les emails, puis avec les lettres. J'ai pas de téléphone. Donc, mais la vraie raison, c'est que ça enlève tout doute. Parce que au cas où.
Je pense, donc, OK, je n'ai même pas de téléphone. Hein, c'est comme dire en 1990 ou en 1995 ou en l'an 2000 ou en l'an 2005, je n'avais même pas de Wi-Fi, d'Internet. Je savais même pas comment ça marchait. Pour éliminer tout doute. C'est là qu'on dit éliminer tout doute de la personne qui peut avoir des raisons parce qu'on lui a menti ou prime abord, la personne est comme ça ou on lui a menti. Okay? D'un service, dire exemple, tu peux aller dans ce garage-là, mais je te dis tout de suite, le mécanicien, il a vraiment pas bonne réputation, fait plein d'erreurs. C'est pas vrai. Il est très, très bon. Puis pire que ça, on est tout le temps sur son dos en train d'essayer de le blesser. J'aimerais mieux que tu fasses d'autres choses dans la vie que ça. Okay? Pour pas qu'un jour tu te sens coupable d'une réparation, puis. Donc, c'est juste pour que ça fasse joli, tu sais. C'est juste pour que ça fasse joli, comme ça. Il n'y a pas de raison. Bon, il n'y a rien d'autre, il n'y a aucune raison que pour que ça fasse joli. Donc, là, on dit éliminer le doute de la personne qui a été trompée, trahie, OK, ou qui a été mal informée, ou là, tu peux rajouter un autre mot s'il y en a d'autres, OK? Donc, il faut éliminer le doute, OK? T'as pas à douter, t'as pas à douter. Là, j'ai éliminé un doute, là, puis du coup, ça élimine ton doute à toi aussi, OK? Moi, j'ai pas de téléphone, ça fait 5 ans que j'ai pas de téléphone. Fait que si jamais t'as reçu des appels canulars qui disent que, non, c'est pas moi. Okay. J'ai fait 3 appels 9-1 parce que je convulsais, okay, parce que j'ai eu un gros j'ai depuis en fait à peu près je suis tombée sur la tête, je suis retombée sur la tête à peu près justement quand j'ai eu l'annonce du décès de mon père le 19 février, il y avait du verglas puis le lendemain je suis retombée sur le même fracture que de la porte de la RTC là. À partir de là j'ai convulsé à peu près 1 an de temps là, surtout les premiers ben le choc hein, le choc du décès puis le choc de la saleté, tu vas payer puis tu vas payer de ta vie, ok? Je t'assure parce que là on calcule tout ce que t'as fait puis je te l'ai dit, t'es accusé de meurtre. T'es vraiment accusé de meurtre. Puis en gang, OK? On dit, tu peux pas continuer à être niaiseux puis niaiseuse comme ça. Il faut. Puis du coup, ça va montrer l'exemple. Ça, il y a du monde qui aime bien ça. Bien, ça va montrer l'exemple parce que des pères payeurs de pension alimentaire, il y en a eu. Il y en a eu. Puis tu vois, faut-tu comprendre que les bobos, ça se dépense pas comme ça, là. Puis des infirmières qui travaillent de nuit puis qui. J'ai pas le cul assis, moi, là, sur une cuillerette de vache, là. À... OK? Tu vas marcher à tabarnatoire, à mon esti de vache que j'ai marché en colis, puis tu vas marcher toi aussi, OK? Fait que tout ce qui est qu'on dit, changer les faits, empoisonner, emmener des faux documents, emmener des fausses photos, emmener des faux textos, emmener, puis utiliser, hein, c'est comme genre, ou dire, admettons, je donne un exemple, Sylvain qui est policier. Mon cousin Sylvain qui est policier, puis qui s'irait voir ma mère. Oh, ma tante Huguette, là, Chantal est à Québec, là, puis c'est mieux de plus jamais la revoir, c'est épouvantable, puis OK? C'est très grave. Là, je donne un exemple, j'espère que tu n'as jamais fait ça. Ben non, j'aurais jamais fait ça, tu sais. C'est extrêmement grave de faire quelque chose comme ça. Au cas où, si jamais c'est vrai, puis que là, tu vas sauver 1 million. Mais je pense que. Non, non, c'est juste un exemple. C'est sûr qu'il n'y a pas personne qui a sali ma réputation là, vis-à-vis mon père avant qu'il meure. Ça paraissait pour pas en tout qu'il avait confiance en sa fille, là, tu sais. Fait que c'est sûr que là, il faut vraiment aviser la famille parce que de toute façon, on dit. Moi, c'est pas grand-chose, tu sais. Imagine quand t'es le frère ou la soeur d'une chienne comme ça. T'as une sœur qui est policière. Aligne-toi tout de suite, cette famille-là. On va voir le reste de la famille.